Les membres du conseil, le maire Luc Brisebois, a annoncé la gratuité du service de transport en commun de la ville de Mont-Tremblant. Et la gratuité a été effective à partir du 21 juin. Nous, on avait quand même parlé à des municipalités pour voir le taux d'achalandage, s'il avait augmenté ou pas. Bon, on avait estimé l'augmentation à 40 % et on a eu vraiment une très, très belle surprise. C'est donc dire que ça répondait vraiment à un besoin. Alors, dès le mois de juillet, l'augmentation a été de 90 % et le mois de décembre, c'était une augmentation de 119 % par rapport à l'achalandage de l'année 2018. Ce qu'il faut savoir, le transport en commun en tant que tel, c'est unique au Québec. Pour une municipalité de notre taille, vraiment, il n'y a pas de petite municipalité comme nous qui a un transport en commun. Ça a été mis en place en 2000, si ma mémoire est bonne, parce qu'on voulait favoriser, en fait, la mobilité de nos travailleurs à travers les différents pôle d'emploi sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant. La gratuité a permis à aider au recrutement de la main-d'œuvre. On sait que c'est un défi que toutes les municipalités du Québec doivent répondre. Également, ça bonifie l'offre touristique. Alors, nos touristes peuvent en profiter. Ça aide nos personnes aînées, nos familles, nos étudiants. Ça aide même des gens à sortir peut-être de leur isolement. En tout cas, et naturellement, un point qu'il ne faut pas négliger, c'est la diminution de gaz à effet de serre. La gratuité a augmenté de 250 000 $ le coût de la mise en service de ce transport en commun. Mais il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Comme je le disais tantôt, ça permet d'attirer de nouveaux travailleurs, ça permet de nouveaux commerces à venir s'installer. C'est positif sur à peu près tous les plans. Pour l'avenir du service du transport en commun, bien, on espère que le chalandage va augmenter et même se maintenir. Puis naturellement, on le bonifie d'année en année, plus d'arrêts, plus d'abribus, ce qui permet encore une meilleure mobilité de tous nos gens. Fait que c'est sûr que c'est un service qui est appelé à rester. Puis que, encore une fois, on invite les citoyens, les touristes, tout le monde en a profité.